va apprendre à faire un cœur en latte art. Alors dans la latte art, il y a plusieurs possibilités. Il y a le topping, le painting et le free pouring. Le free pouring, c'est la verse libre. Donc là, on va dessiner des motifs juste en versant la mousse de lait dans le café et en trouvant certains angles et certains rebonds dans la tasse. On va réussir à créer un contraste entre la crème du café et le blanc de la mousse de lait. Donc c'est ce contraste-là qu'on va appeler latte art. Quand on verse de très haut avec un tout petit filet de lait, ça va passer dessous et on va garder que la crème de café marron. Si on se rapproche, c'est là où on fait des moments blancs. Si je remonte, ça redisparaît. Et dès que je me recolle, hop, je fais des moments blancs. Donc ça, c'est la base du latte art. La première étape, c'est d'incorporer vraiment la mousse de lait dans le café. Donc ça, on va le faire en versant vraiment en hauteur pour que la mousse de lait puisse passer sous la crème du café et uniformiser la couleur de la crème. Ensuite, quand on a rempli la tasse jusqu'à la moitié, on va descendre jusqu'à la paroi de la tasse et on va faire des serpentins en étant vraiment collé à la surface du café. Donc il faut vraiment pas hésiter à être très incliné. Une fois qu'on a fait ces serpentins-là, on va remplir le cœur en restant exactement au même endroit. Et quand on a fini de remplir la tasse, c'est là où on va couper avec une petite pointe de lait pour pouvoir faire la petite pointe du cœur.